thérapie de polarité, en quoi cela consiste ? La thérapie de polarité est une forme holistique et alternative de guérison. Elle combine les connaissances de la médecine traditionnelle orientale avec celles de la médecine occidentale. Elle cherche à établir un équilibre dans le flux d'énergie vitale du corps. La thérapie de polarité se charge de réguler tous les flux d'énergie altérés dans le corps. De cette façon, elle agit en libérant les chakras par des massages et des techniques spéciales comme le yoga de polarité. Il est important d'avoir une brève compréhension du fonctionnement du flux d'énergie dans le corps. Sinon, vous ne saurez pas comment agir. De cette façon, vous allez pouvoir accéder à tous les traitements qui sont recommandés, mais cela peut n'avoir aucun effet. L'importance de l'énergie dans la thérapie de polarité. Avoir un corps sain est possible si le système énergétique vital est en équilibre. Nous ne pouvons pas oublier que tout déséquilibre peut mener à la maladie. La connaissance de notre corps ne se base pas seulement sur des éléments tangibles, comme les os, les organes fonctionnels et les autres extrémités qui le complètent. L'énergie se situe dans notre corps et on la considère comme un champ électrique, avec des courants et des schémas spécifiques qui la constituent dès la naissance, et continuent d'agir jusqu'à notre mort. Lorsqu'un de ces flux subit un blocage, l'ensemble du champ énergétique est affecté, ce qui provoque des troubles et des malaises. En enlevant ce qui brise ce flux d'énergie, on peut accéder à la thérapie pour l'aplanir dans notre esprit et notre corps. Quelle est la différence entre la thérapie de polarité et les autres thérapies ? La thérapie de polarité diffère des autres thérapies conventionnelles parce qu'il s'agit d'un système holistique qui agit directement sur le blocage des flux d'énergie. Elle cherche à éveiller la conscience, ainsi que la capacité de guérison du corps à se guérir lui-même. De cette façon, elle équilibre complètement la personne et active le système immunitaire. Par conséquent, elle est préventive et soulage la douleur, équilibre les émotions et l'humeur, et nous aide également même à mieux penser. La thérapie de polarité est un excellent complément à d'autres traitements, pharmacologiques et psychologiques, ou à toute autre méthode déjà utilisée. De plus, elle stimule et accélère les temps de guérison attendus des affections. La guérison est un processus unique chez chaque personne parce que tous les organismes sont différents. Comment la thérapie de polarité est-elle appliquée ? La thérapie de polarité agit directement sur des centres vitaux spécifiques et sur des points de stress ou de douleur. Il donne ainsi au corps physique la possibilité d'activer ses propres ressources naturelles de guérison. L'organisme peut ainsi libérer les tensions et les blocages énergétiques. Lorsque le corps est libéré de la tension, l'espace émotionnel et mental est renouvelé, si bien que des modèles de comportement beaucoup plus conscients sont générés. La thérapie de polarité propose, à travers les techniques générées pour débloquer l'énergie retenue dans le corps, de guérir la maladie et générer un état de conscience chez le patient, afin qu'ils se connaissent plus profondément. La thérapie inclut également le contact, une alimentation appropriée au processus et la pratique du yoga de polarité.
Par les sons et les postures, elle aide à la circulation de l'énergie. De cette façon, le patient jouira d'un meilleur style de vie. Quelles sont les maladies traitées par la thérapie de polarité? La thérapie de polarité n'est pas conçue pour faciliter le traitement de maladies spécifiques. Cependant, elle favorise divers processus de guérison d'une manière très positive, par la libération d'énergie. Parmi les maladies traitées par la thérapie de polarité sont allergies, douleurs de dos, troubles respiratoires, migraines, problèmes digestifs, stress. Recommandations. Il est important d'être clair que la thérapie de polarité est un traitement complémentaire à un autre. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas directement sur la maladie sans un autre traitement médical déjà prescrit. Pour que la thérapie ait de bons résultats, il est important de suivre les instructions et les régimes qui nous sont donnés par le thérapeute. Ceux-ci amélioreront le processus de déblocage du flux d'énergie dans le corps et permettent ainsi d'obtenir de meilleurs résultats. Les thérapies de ce type doivent être appliquées par un spécialiste et jamais par un amateur. Gardez à l'esprit ces recommandations et vous aurez un bon processus dans votre rétablissement. Vous devez garder à l'esprit que les thérapies alternatives ont peu d'études scientifiques pour les étayer. La croyance et la foi de la personne qui les pratique sont à l'origine d'une grande partie de ce sentiment de guérison.